Salut, moi c'est Lou, j'ai 23 ans et je suis encore étudiante, mais plus pour longtemps. Je vis en banlieue parisienne avec mon amoureux et voilà, mon métier c'est illustratrice scientifique et je voulais me présenter via un appart tour parce que en fait mon appartement il est vraiment représentatif de qui je suis, je pense, et je sais pas, c'est quelque chose d'un peu intime, en même temps c'est ma personnalité, donc je me disais que c'était un bon moyen de faire connaissance. Donc on va entrer un peu dans le vif du sujet. J'adore les produits de beauté, j'adore aller dans les magasins, essayer tout plein de couleurs et de textures et d'odeurs différentes. J'ai toujours aimé les petits bibelots et les petits objets un peu rigolo. Je les trouve poétiques quelque part. Ils m'amusent. J'adore aussi Toy Story, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Certains ont leur petite histoire, leur passé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout d'histoire. En fait, c'était juste des objets que j'ai trouvés adorables sur le coup et que j'ai voulu garder auprès de moi. Comme je le disais, je suis illustratrice et je prends mon inspiration d'un peu partout. Toutes les couleurs, les images qui peuvent m'inspirer quelque chose, je les garde et ça crée un peu un gros bazar, un gros fouillis, mais c'est un peu un bazar d'idées et j'aime bien cette façon-là de procéder. Je pense que ça me convient. J'aime aussi beaucoup les plantes, mais j'ai pas vraiment la main verte. J'aime aussi acheter des petites sculptures à des artistes locaux et ma mère est sculptrice et j'ai quelques petites choses d'elle aussi. Je suis originaire d'Angoulême et du coup la bande dessinée ça a toujours été un truc hyper présent dans ma famille et donc j'aime aussi beaucoup les bandes dessinées. J'ai beaucoup de livres pour enfants et beaucoup de déco un peu pour enfants. Donc c'est sûr que je pense que je préfère les livres avec les images, mais ça m'arrive quand même de lire quelques romans à l'occasion. J'aime aussi beaucoup la musique et acheter des disques. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que avoir l'objet avec soi et juste le mettre dans la platine et l'écouter, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'adore aussi découvrir les livrets qu'il y a dans les disques et les différentes images qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose. C'est un objet que j'aime beaucoup en fait. En fait, tous mes petits bibelots, ils ont comme une présence assez rassurante et voire même réconfortante des fois. Le fait de savoir qu'ils ont aussi leurs histoires et leur vie passée, ça me. Je sais pas, ça m'apporte quelque chose et puis. Je les trouve un peu partout en fait. Des fois je les achète, mais il y en a pas mal que j'ai un peu trouvé dans la rue ou même des fois dans la terre. Donc c'est un peu des horizons variés, je dirais. J'aime aussi beaucoup les tasses, le thé, les boîtes. En fait, vous verrez, je pense que j'ai un petit problème avec les collections. J'adore collectionner les objets. Notre appartement, c'est un lieu où je me sens vraiment bien. Et c'est vraiment un petit sanctuaire, un petit havre de paix en fait, où tous les éléments sont là, il y en a beaucoup, mais ils sont tous bien les uns avec les autres et ça me procure une sensation de bien-être, de calme aussi. Mais ce que je préfère, et vous allez le voir je pense très rapidement, ce sont les vêtements. C'est vraiment une partie de moi vraiment importante. J'ai fait une partie de mes études en textile et je pense que c'est là où j'ai vraiment appris à apprécier un vêtement. J'adore les matières, les couleurs, les motifs et j'avais commencé quand même avant d'avoir beaucoup pendant un temps. Là c'est déjà un peu moins que ce que j'avais avant et je commence à culpabiliser parce que la fast fashion c'est vraiment quelque chose d'horrible en fait. C'est de l'esclavage au 21e siècle et donc depuis juillet dernier je n'achète plus que de seconde main
pour la mode en tout cas, et je vais essayer de le faire aussi pour le reste maintenant. Mais voilà, et donc maintenant j'achète en friperie, sur Vinted, etc. Et donc voilà, j'ai pas mal de vestes parce que j'adore les vestes et les manteaux, les bottines également, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore les imprimés un peu rigolos avec des chats, des chiens. J'aime beaucoup les animaux de manière générale. Et voilà, en fait, depuis que je n'achète plus dans les magasins, même si ça m'arrive d'y aller juste pour prendre de l'inspiration, j'ai plus la sensation maintenant de choisir vraiment les pièces que j'aime et qui me rendent joyeuse, en fait. Et en fait, je préfère tout simplement parce que je suis pas du tout vraiment les tendances, mais je porte des choses qui me rendent vraiment heureuse. C'est-à-dire que ça, vraiment, ça me procure de la joie de les mettre et de les voir toutes bien rangées les unes avec les autres. J'en prends vraiment soin et voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé faire cette petite présentation un peu tranquille de mon appartement et je pense un peu de moi aussi en même temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de vidéos ou des envies particulières. J'ai déjà toute une liste de choses que j'ai envie de faire, mais je suis ouverte aux propositions d'idées. Et voilà, merci encore d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye !